bon, ça. Salut man, bien ou quoi? Ça se passe? Bon, comme t'as vu, j'ai vendu quelques palpables. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, voilà, moi aussi, franchement, j'étais étonné, j'étais pas préparé à ça. J'ai commencé à 5 h du matin. Franchement, j'étais crevé parce que j'ai pratiquement pas dormi de la nuit, les amis, ce jour-là. Parce que j'étais en train de bosser le token, comme d'habitude, il fallait que je trouve bah, des choses quelque chose d'original, quoi, pour que vous puissiez vous intéresser au token. Et franchement, honnêtement, ce jour-là, je pensais pas que j'allais en vendre. Je pensais que j'allais les étaler comme ça, et puis que les gens, ils allaient passer, zioter, et puis quelque part s'en battre les couilles, quoi, un petit peu, quoi. Franchement, j'ai été surpris parce que ça s'est fait tellement vite, ça s'est fait d'une manière bizarre. On a commencé à invoquer le sujet des crypto-monnaies, et bam, ça a pris un engouement assez rapide. Et franchement, ce jour-là, les amis, franchement, je caillais, j'avais froid, il y avait de l'humidité partout, j'avais du mal à sortir les tokens et tout. Et du coup, j'avais mis des procédures, voilà, et franchement, je vous avoue, j'ai même pas respecté mes propres procédures. Regardez, j'avais noté plein de procédures. Normalement, j'étais censé prendre des photos avant de les vendre, tu sais, pour que je puisse les remettre dans les données informatiques. Bah, ils sont arrivés, ils m'ont un peu pris la tête. De toute façon, là, je vais vous mettre un petit peu l'audio. Vous allez voir comment ça s'est un petit peu passé. Je vais construire parce que normalement il faut qu'on reste responsable pour qu'après par la suite il faut qu'on puisse voler. Hein? Donc il ne faut pas partir comme ça, sinon là, si vous partez comme ça, vous ne faites pas de plus-value. Donc là, je vais sortir. C'est un peu sur. Elle s'appelle comment la crypto? Moi l'homme, le moi l'homme, c'est marqué sur, regardez, moi l'homme. Voilà, il faut s'inscrire ici. Hein? Donc, on va faire ça calmement. Là il fait toujours. Dommage, j'attendais qu'il fasse un peu jour parce que là, il y a trop d'humidité, c'est pour ça que je ne pouvais rien faire. Là, il n'y a pas de sec. Donc là, il faut mettre. Voilà, il faut mettre votre nom. Vous avez une boîte mail? Mail et portable. Vous mettez ça, comme ça, hop. Je vous donne un stylo. Donc 20 centimes, c'est 20 centimes. 20 centimes, les amis. J'en ai que 8 sur la blockchain. Pour l'instant, j'ai mis que 8. Hop. Allez, hop. Vous mettez votre nom, prénom, mail, et je prends contact avec vous. Vous laissez votre numéro. 20 centimes, là. C'est la crypto-monnaie. Tout simplement. Crypto-monnaie française. Je suis le premier à faire de la crypto-monnaie palpable. Faut en profiter maintenant. Parce que là, ça repose sur la crypto-monnaie de Wave russe. 20 centimes, tu gagnes quoi? Ben, là, vous faites déjà 1 fois 2. Tu gagnes quoi? 10 centimes? Non, mais moi on va dire la philosophie. Tu lances le truc. Voilà, je lance le truc, je fais mon ICO. Et la philosophie, voilà, 20 centimes. T'en as pris un? Ouais. C'est combien là? On a pris un. Par contre, il faut s'inscrire. Ah non, pas j'ai pas envie. Ah non, mais si tu t'inscris pas, ça. Ça marche pas. Voilà, redonne. Non, mais c'est cool, redonne si je m'inscris pas. Ça marche pas. Vous voulez? Bah ouais. Voilà. C'est dommage, il faut s'inscrire comme non, ça. Mais je tu l'as donné? Hop, on a pris un, c'est bon. C'est fait. Tu t'es inscrit, c'est bon. Si vous en voulez, il faut s'inscrire. Donc voilà. Vous avez vu un peu le bordel? Vous avez vu? Vous avez vu comment c'est le bordel? C'était le dawa, les amis. Franchement. Donc voilà, j'ai fait ce que je pouvais, hein. C'était pas évident, je vous dis clairement. Maintenant, vous voyez bien, le moi l'homme est à 0,46 21 dollars de centimes, hein. Il est vendu en euros à 0,40 euros et je le vends sur les marchés physiques à 0,20 centimes de euros. Vous faites un fois 2 d'entrée. Donc pour moi, je trouve que pour un NFT, c'est intéressant, les amis. C'est physique, c'est palpable. Vous l'avez dans votre main. C'est un actif que vous pouvez protéger physiquement
comme à l'ancienne. Ok, il n'y a pas de sécurité numérique, mais c'est quand même quelque chose que vous gardez en, physiquement, avec des codes barres, avec des suivis, avec quand même du hachage. Parce que j'ai quand même haché quand même certaines données. Bah, j'ai pas utilisé le SHA-256, mais j'ai utilisé mon cerveau pour que je puisse découper d'une certaine manière avec des QR codes, des dessins, des choses significatives, pour que bien sûr vous puissiez pas les dupliquer, parce que apparemment les palpables sont duplicables. Non, je suis désolé. D'ailleurs, on va régler un petit problème. Vu que je les ai vendus en pagaille, vous avez vu un peu le bordel, hein, j'ai même pas laissé l'audio continuer parce que c'était le bordel. Donc du coup, j'ai pas suivi les procédures. Je devais prendre des photos pour remettre, bien sûr, les données informatiques pour que je puisse faire la mise à jour de tout ce que j'ai vendu. Du coup, ça a été n'importe quoi, ça a été vendu n'importe comment. Donc du coup, ma blockchain, mon bloc 1 est complètement décousu. Je sais même plus où j'en suis. J'ai pris pratiquement toute la journée pour essayer de résoudre des équations que mon petit cerveau n'était pas capable de résoudre, tout simplement parce que j'étais fatigué. Je n'arrive pas à dormir correctement, j'ai toujours des idées, je sais pas, je suis jamais content. Comme là, je me demande si je vais dormir après cette vidéo. Franchement, c'est un truc de fou. Bon, bref, s'il vous plaît, là, on va passer à un jeu. Ouais, c'est un petit jeu. Aidez-moi à résoudre ces équations, s'il vous plaît, numériques. C'est parti. 1, 2, and go. Ok, c'est parti. C'est juste un petit test, histoire de vous tester un petit peu. C'est pas difficile, les amis. C'est juste deux petites questions élémentaires sur le minage, hein. Question A et B, histoire de voir si vous avez compris un peu le principe, et pour moi aussi un petit peu. Donc voilà, faut un peu observer, hein. Faut bien observer ce qu'il y a à l'écran, hein. Observer un peu ces moelle-hommes, hein. Vous les connaissez depuis le temps que je vous les présente. Donc voilà, observez les amis, la question va arriver, observez bien, voilà, donc c'est la question A. Alors, sachant que dans ce bloc, il faut 8 moelle-hommes, est-ce que ce bloc est valide? Oui ou non? Celui qui répond le premier gagne un moelle-homme, c'est garanti les amis. Le plus rapide, un moelle-homme, allez, là c'était facile. Allez, là maintenant, on va passer à la question B. Combien y a-t-il de numéros de série dans ce bloc? Combien y a-t-il de numéros de série dans ce bloc? Là, je vous laisse un peu plus de temps parce que c'est une question un peu plus difficile. Alors, celui qui a trouvé les numéros de série gagne... Deux moelle-hommes. Le plus rapide, bien sûr, celui qui gagne, enfin celui qui trouve en premier, a gagné deux moelle-hommes. Voilà, juste un petit test. Il y en aura d'autres, les amis. Nous allons tout simplement continuer. Voilà, celui qui me donne la bonne réponse dans le chat a gagné des moelle-hommes. Bien sûr, faudrait que vous me laissiez vos coordonnées, hein, pour que je vous... enfin vos toilettes, pour que je vous envoie les moelle-hommes, et je donnerai bien sûr la réponse dans la prochaine vidéo, les amis. 1, 2, and go. Alors les amis, ça vous a plu, hein? Un petit test et tout, histoire d'échanger un petit peu. Bon, allez, vas-y, moi, j'enlève ça parce que hein, c'est bon, hein, il n'y a pas le Covid chez moi, là, c'est bon. De toute façon, vous ne pouvez pas l'attraper comme ça. Hein. Donc, voilà, les amis. Donc, vous avez pu deviner, hein, je suis revenu au bloc 1. Je recommence tout parce que vous m'avez critiqué. J'ai voulu avancer tout ça, vous m'avez critiqué. Donc, je reviens au bloc 1. D'ailleurs, ça fait un moment que je suis revenu dans le bloc 1. Je me souviens, j'avais fait une vidéo en amont, je crois que j'ai dû mettre le QR code là ou quelque part pour faire comprendre que ça fait un moment depuis le mois de juillet, je crois que je suis revenu au mois d'août, je sais plus, que je suis revenu au bloc 1, et on s'est foutu de ma gueule.
Donc voilà, vous allez revoir cette vidéo où je reviens au bloc 1 parce que je recommence tout. Mais j'ai dû désactiver les commentaires parce que tout le monde était en train de se foutre de ma gueule. Donc voilà, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, il n'y a que celui qui fait rien qui est toujours en train de critiquer. Donc effectivement, je reviens au bloc 1 et j'ai tout simplement compressé parce que ici là, voilà, vous avez vu toutes ces feuilles là? Toutes ces feuilles, c'est des procédures. Voilà, c'est des procédures, tout ça. Je ne vais pas tout vous faire montrer, mais c'est des procédures. Vous avez vu, hein, procédure là. Voilà, je ne vais pas tout, hein, c'est à moi tout ça, hein, c'est personnel. C'est des procédures, hein, vous avez vu tout ça là? Ça me prend la tête. Hein. Donc ça, c'était les projets lutte anciens livres blancs, hein, que je classe à cause de vous, parce que vous m'avez critiqué. Donc là, maintenant, ici, il y a le nouveau projet lutte, nouveau protocole, hein, nouveau proto, 4.0, voilà, 4.0. Mais finalement, j'ai encore plus compressé. Finalement, non, il n'y a pas de 4.0, ça sera plutôt 2.0. Parce que j'espère que celui-là, ça sera vraiment le dernier. Parce qu'à cause de vous, j'étais en train de dupliquer mon livre blanc parce que j'étais jamais content. Et à chaque fois, vous étiez en train de critiquer. Non, je pense que je veux jeter les autres livres blancs et je vais en faire un 2.0. Voilà, je recommence tout à zéro. Hein, 2.0, je vais vous présenter ça la prochaine fois. Hein. Là, j'espère que vous êtes quand même bien amusé par rapport à ce petit test sur le minage. Hein. C'est le début de mon minage à moi, mon minage du moelleux. Hein. J'ai déjà des procédures qui sont déjà en place. Ne vous inquiétez pas, on va aller beaucoup plus loin dans cette lancée. Tout est déjà en amont. Sur ce, voilà, je vous présente rapidement mon futur livre blanc. Bon, là, c'est une ramette bleue, mais c'est mon futur livre blanc où j'ai tout compressé. Hein, et je vais vous expliquer ça, bien sûr, dans la prochaine vidéo. Il ne faut pas aller trop vite, ça ne sert à rien. Parce que vous ne vous courez pas pour acheter ce moelleux. Donc, maintenant, je prends tout mon temps, les amis. Hein, ça ne sert à rien que j'aille vite. Hein, vous n'êtes pas pressés. Donc là, je vous présente tout simplement les trois derniers. Voilà, les trois derniers que j'ai mis sous scellé, les trois derniers moelleux, c'est eux les trois derniers, parce que les autres moelleux sont réservés à la famille, bien sûr, parce qu'il faut que je pense à la famille, ah oui, et oui, les amis, donc, bah oui, parce que j'en ai pas fait beaucoup, hein, des moelleux, vous croyez que c'est quoi, vous croyez que moi, je vais miner mes moelleux en sachant que vous achetez rien du tout, et si vous voulez vraiment que je mine, bah, achetez mes moelleux, là, pour l'instant, c'est les trois derniers, là, voilà, et mon moelleux coûte 0,50 centimes sur Web. Et je les vends pratiquement 20 centimes. Donc, réveillez-vous, les amis. Réveillez-vous. Voilà. Là, j'ai un moelleux, là, mais celui-là, il compte pas. Parce que c'est un doublon. Donc, vous avez vu, hein, je fais des erreurs. Donc, c'est pour ça que je vous demande de résoudre les équations. Parce que vous me prenez pour une poire. Donc, voilà. Je vous demande de résoudre les équations. Comme ça, j'ai pas oublié mes clients, les amis. Hein. Voilà. Regardez mes clients. Hop. Il y en a combien de clients? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 clients, là. 10 clients. Voilà. Et la prochaine fois aussi, j'essaierai de vous présenter aussi l'ICO. Eh oui, j'ai fait un ICO. J'ai décidé de faire un ICO, les amis. Hein, il doit être content, le Anakin Sky, là, que je fasse un ICO. Hein. T'es content, hein? Ah bah oui, j'ai décidé de faire un ICO. C'est à force de me prendre la tête, j'ai décidé de faire un ICO. Mais bon, le livre blanc, il sera toujours en live. Voilà, il sera toujours ouvert. Et quand je l'aurai vraiment bien peaufiné, là, je le mettrai peut-être dans un site qui sera dédié qu'au livre blanc, mon site à moi. Et voilà, pour l'instant, le site, pour l'instant, ça va être un site assez spécial autour de YouTube. Vous allez voir. Je suis sûr que là, vous ne comprenez pas, mais vous allez voir. En tout cas, pour ceux qui veulent du moelleux, vous pouvez toujours me contacter. Vous pouvez toujours aussi participer à Cotisop pour que je puisse vraiment avoir du soutien. Parce que là, en ce moment, je crois que je suis à 128 euros. 128 euros avec ça, je peux pas faire graillot, hein. Quoi, je peux m'acheter quoi? Une carte mère. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Hein. Je peux juste m'acheter une carte mère, après, il n'y a plus rien. Hein. Voilà, et puis, vous allez me dire, hey, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? 128 euros, c'est quoi? C'est trois courses. C'est un caddie. Ou deux caddies, je crois, je sais plus. Bref. En tout cas, sur ce, j'ai du boulot. Hein, c'est pour ça que hein, moi, je passe pas mon temps en ce moment sur les réseaux. Vous avez vu tout ça, hein, c'est du boulot, c'est du travail. Hein, voilà, il y a encore ça. Il y a encore ça aussi à résoudre.
Oui, parce que j'ai plein d'équations à résoudre. Ça, c'est des équations à résoudre. Hein? Vous n'êtes pas à ma place. Hein? Hein? Ça, c'est des équations à résoudre. Oui, ça, c'est les équations que je vous ai présentées. Voilà. Voilà, c'est les équations que je vous ai présentées. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Il y a un problème? Ah, ben, bon. Je croyais que ma chérie elle avait un problème. Il n'y a pas de problème. Donc, sur ce, les amis, les moellons sont toujours là. Regardez, ils sont beaux. Ils sont là. Voilà, ils sont bien minés. Mais pour l'instant, il n'y en a que 7 qui sont officiels, comme je vous ai présenté dans le jeu. Il n'y en a que 7 officiels. Et oui, il n'en reste que 3. C'est ça, hein. Il ne reste que 3 moellons promotionnels. Je vais essayer de les prendre qui sont sous-scellés. Regardez, 3 moellons promotionnels qui sont sous-scellés. Tous les autres moellons sont réservés. Ah oui. Ah ouais, parce que vous avez dit que tous les moellons qui restaient dans la caisse, que ça allait pas partir. Ben non, les amis, ils sont déjà réservés. Là, il reste ça, ils sont pas réservés, les 3 derniers. Ça, c'est les 3 derniers. Mais malheureusement, j'en ai besoin pour pouvoir miner le reste. Donc, on aura peut-être l'occasion. Allez, je sais pas, je vais peut-être me décider, je sais pas. Je suis en train de réfléchir en ce moment. Peut-être que vous aurez l'occasion de voir comment je mine chez moi. Mais je sais pas, je sais pas si... Je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de vous inviter. Les amis, juste un petit détail. J'espère que vous confondez pas les palpables et les virtuels. Parce que des virtuels, enfin des blockchains plutôt. Tiens, ça y est, même moi je confonds. Vous n'avez pas oublié qu'il y a 3 têtes. Hein. Vous n'avez pas oublié qu'il y a 3 têtes. Il y a les palpables, il y a les virtuels et les blockchains. Et il y aura sûrement une 4e tête qui est tout simplement les NFT. Donc, les amis, ne confondez pas tout. Là, vous avez encore des moellons sur la blockchain. Là, je parlais des moellons palpables. Il n'y en a pratiquement plus. Voilà, j'ai juste une petite parenthèse. On les invite ou pas? Non, 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 voilà. On n'a pas envie. On n'a pas envie parce que vous dites que c'est de la merde. Vous dites que mes palpables, ben c'est bidon, quoi. Vous arrêtez pas de dire c'est bidon, alors qu'il y a du travail. Mais on verra. Si vous me donnez l'envie, franchement, vous allez miner avec moi. Franchement, vous allez voir, c'est passionnant. Vous allez voir comment le moellon il mine, comparé aux cartes graphiques. Vous allez voir. D'ailleurs, de toute façon, je vais faire un test hein, sur 24 heures, hein, pour voir combien de moellon je fais sur 24 heures. Évidemment, je ne vais pas travailler 24 heures. Hein. Moi, je suis un mec qui travaille que 8 heures, hein, au maximum. Hein. 8 heures ou peut-être 9 heures. Donc, je ferai un test. Soit je vais le filmer ou pas, mais je ferai un test pour voir combien de moellon je mine en 24 heures. Voilà. Donc, sur ce, les amis, j'ai toujours la liste de tous les clients. Vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Il y a une personne qui n'a pas donné son mail, son téléphone et ni son nom, mais qui a pris quand même mes moellons. Voilà, c'est dommage. Bon, je suis un peu frustré parce que comme je vous ai expliqué, j'ai pas respecté mes procédures. Il fallait que je prenne des photos. Donc du coup, regardez. Regardez tout ce que j'ai à résoudre. Attends, je vais remonter ça. Oui, parce que j'ai pas respecté les procédures, les amis. Oh, ça dépêche. Ah bah j'ai tout ça à résoudre. Alors, regardez, tout ça à résoudre. Voilà. Donc, on va dire, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sur 16 blocs sous-scellés, réservés, et oui, réservés, parce que je vous ai dit qu'il n'y a presque plus de moellons. Ah ben j'ai tout ça, j'ai combien? J'ai, attends, on va compter combien de blocs que j'ai à résoudre. Non, parce qu'il faut qu'ils comprennent quand même. Hein, il faut qu'ils comprennent un peu comment je me prends la tête. Donc, alors sur 16, c'est ça, 16 blocs, j'ai 1, 2, ça celui-là il est bon, celui-là il est bon, celui-là il est bon, celui-là il est bon. Tu vois, quand c'est validé, je fais des trucs verts comme ça. Alors, j'ai pas dit 1, 2, 3, celui-là n'est pas bon. 4, c'est pas bon. 5, c'est pas bon. 6, c'est pas bon. Celui-là, il est bon. 7, 8, 9, 10,
11 blocs à valider. Donc, j'ai pas le temps, les amis. J'ai pas le temps. Regardez tout ce que j'ai à faire comme boulot. Et c'est fatigant. Hein, c'est fatigant. Hein, hein, ils comprennent pas. Hein. Ils vont jamais comprendre, de toute façon. Et c'est fatigant, les amis. Hein. Donc, arrêtez. Hein, Ali, je t'aime bien. Mais t'aimes bien te foutre de ma gueule. Avoue-le. Hein. Hein, tu traites ma mère. Hein, et tu te fous de ma gueule. Ben, vas-y, continue. Continue, toi et Poupoune, continue. Et puis Poupoune, t'inquiète pas, hein, tu l'auras ton livre blanc. Hein, tu veux mon livre blanc. Hein, je veux plutôt t'envoyer un livre noir. Tu es comme ma peau, là. Hein, un livre noir. Bien foncé, tu vois. Hein, parce que c'est de la merde. Donc je vais bien, bien te chier ce livre blanc. Comme ça, t'en auras plein les doigts, tu vois. Bon, sur ce, allez, je vous dis à la prochaine. Et vous inquiétez pas, le moi, l'homme grandit. Donnez-moi la force. Cotisez les gens, allez sur Cotisop et puis achetez des moelleux là, j'en ai mis 100 là en ce moment là, 100 sur Wave Exchange. Allez, achetez des moelleux, vous êtes des bonhommes, si vous êtes des bonhommes, achetez des moelleux, si vous êtes des bonhommes, achetez des moelleux, achetez des moelleux.